Mais mon général, que pensez-vous de votre visite à Londres? Eh bien, je suis particulièrement heureux d'avoir pu fêter avec les Suisses de Londres leur fête, dite fête suisse. Et je dirais plus particulièrement cette fête de 1948 qui est celle de notre centenaire de la Constitution. Eh bien, mon général, que pensez-vous de votre réception à Londres? Eh bien, j'ai été particulièrement heureux de pouvoir fêter cette fête suisse des Suisses de Londres dans un enthousiasme magnifique, avec un esprit splendide et surtout de l'avoir fait cette année, centenaire de notre Constitution fédérale. Est-ce que vous pensiez que le patriotisme des Suisses à l'étranger était aussi violent qu'il a été lorsqu'on vous a vu? J'ai l'impression qu'il est magnifique et j'en remporte non seulement cette impression-là, mais encore une autre, c'est celle combien notre cinquième Suisse est nécessaire. Nous en sommes très heureux, mon général, nous le croyons aussi, et pourvu qu'on le croit chez nous, c'est important. Et votre visite d'Oxford, que pensez-vous? Ma visite d'Oxford m'a laissé également un souvenir inoubliable. J'ai été heureux de voir cette ville universitaire, de voir ses collèges et de voir cette splendide architecture, de voir les locaux où cette jeunesse travaille, de voir ses installations de sport. C'était vraiment réconfortant. Vous donnez envie d'être de nouveau étudiant et en Angleterre cette fois? Presque. Je recommencerai volontiers. En tout cas, mon général, je vous assure que nous vous attendions depuis très longtemps et que votre visite et ici nous apporte une joie énorme. Et j'espère que nous reviendrez, parce que, enfin, une visite ne suffit pas. Je vous en remercie et je puis vous dire de tout cœur combien j'ai été touché et confus de votre réception. Merci, mon général. Suisse de Grande-Bretagne, Suisse de Londres, permettez-moi de vous le dire, mes chers amis, et de vous dire tout spécialement combien j'ai été heureux d'être au milieu de vous à cette fête et touché de la réception que vous m'avez réservée. Je vous apporte le salut de mon pays et je vous l'apporte de tout cœur. Merci. J'ai demandé qu'on éteigne ces lumières, c'est supportable. Mylord, mes chers compatriotes, je lève mon verre au président de la Confédération, au Conseil fédéral, à la Suisse. Monsieur le ministre, mon général, Madame Guizan, Mylord, Lady Willoughby, Monsieur le président du Grand Conseil, amis de la Suisse, mes chers compatriotes, à tous une très cordiale bienvenue ce soir. Nous sommes heureux que vous soyez venus si nombreux pour témoigner de votre admiration et de votre affection à celui que nous nommons notre général. Je dis nous, car je parle au nom de la plupart des sociétés et institutions suisses,
au nom